Merci, chers collègues. La parole est à Pierre Charron du groupe EMP pour 12 minutes. Vous avez la parole, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chère Françoise Oqueto. Mes chers collègues, l'examen de la présente proposition de loi tentant à reconnaître le vote blanc nous impose une réflexion conduite avec méthode. En premier lieu, il est nécessaire que nous nous accordions sur la définition du vote blanc. Ainsi, nous devons identifier la signification de cet acte afin de lui donner une substance juridique. Une fois ces deux définitions arrêtées, il nous sera alors possible de passer à la seconde étape de notre réflexion, à savoir quelle place devons-nous et pouvons-nous lui accorder dans le Code électoral, et cela en gardant en tête deux impératifs constitutionnels. La protection et l'expression pluraliste des opinions et l'élection à la majorité des suffrages exprimés des élus de la République. Venons-en donc à la définition du vote blanc, à son origine, à son sens profond. Je ne vous ferai pas... Grâce du rappel historique, Madame Lipetz, puisque vous-même vous y avez cédé. Le vote blanc est un concept ancien qui, dans le cadre de la République française, remonte à l'an comme l'a rappelé Monsieur Soketo c'est-à-dire à 1798, où une loi reconnaissait l'existence de ce dernier, en même temps que le vote par bulletin était systématisé. Après avoir disparu, il fut rétabli sous le premier Empire afin de disparaître à nouveau. C'est donc au gré des besoins de l'histoire que le législateur se confronte régulièrement à cette question. Quel est le sens de cette interrogation aujourd'hui Que signifie le désir de comptabiliser le vote blanc et de l'intégrer aux suffrages exprimés Le besoin de reconnaissance du vote blanc et donc, de et, de, pardon, et donc de différenciation par rapport au vote nul augmente proportionnellement au sentiment d'insatisfaction vis-à-vis de la classe politique. Or, ce sentiment d'insatisfaction est de deux natures. Il peut traduire l'absence de pluralité de l'offre de qui pousse l'électeur qui s'est déplacé à ne pas faire de choix parmi l'offre, et soit le sentiment de défiance vis-à-vis -vis des appareils politiques en général. L'auteur du vote blanc peut donc potentiellement envoyer deux messages distincts. Je ne suis pas satisfait par l'offre proposée, je ne crois pas en l'insincérité des offres. Or, peut-on légitimement considérer que ces postures sont infondées Ce sentiment est-il uniquement le fruit d'une société qui doute de tout, y compris d'elle-même Non. Je crois que le moins que l'on puisse faire, c'est justement de ne pas enlever aux citoyens le droit de nous envoyer un message. Cette démarche, qui tend donc à une plus grande reconnaissance du vote blanc, est d'autant plus fondée qu'elle doit garantir la libre expression de la pluralité des opinions. Si le système politique ne permet pas la représentation de sensibilités singulières, au motif que le code électoral et le système politique ne sont pas de nature à favoriser l'émergence de partis, courants ou individus en décalage avec le monde politique et médiatique, alors il devient impératif de considérer le vote blanc comme l'expression d'un sentiment et même d'un message politique. Or, cette reconnaissance de l'existence d'un vote blanc qui serait l'expression d'un message politique n'existe pas à l'heure actuelle. Nous sommes donc tous d'accord dans cette Assemblée pour reconnaître le caractère politique du vote blanc, caractère qui doit être reconnu. À présent, il nous faut savoir comment cette absence de reconnaissance se matérialise, car l'état actuel du droit en matière de vote blanc nous indiquera comment lui donner une substance juridique. Il y a donc deux raisons, ou plutôt deux barrières, à la non reconnaissance du bulletin blanc. La première est qu'il n'y a pas aujourd'hui de distinction entre le vote nul et le vote blanc. La seconde est que le vote blanc n'est pas intégré dans le suffrage exprimé. Or, cette intégration, qui est de fait impossible si on considère que le vote blanc équivaut au vote nul, ainsi, comme nous venons de le voir, la reconnaissance du vote blanc comprend deux degrés distincts. La différenciation des votes blancs et des votes nuls, qui assimile de fait le vote blanc à une erreur ou à une volonté de ne pas se soumettre aux règles régissant le scrutin, et l'intégration du vote blanc dans les suffrages exprimés. Nous verrons plus tard quel degré de reconnaissance doit être institué. En attendant, il nous faut opérer une distinction entre vote blanc et nul, mais de fait, il apparaît certain qu'à l'issue de l'examen de cette proposition de loi, nous devrons, comme le prévoit le texte qui nous est soumis, opérer une distinction entre vote blanc et vote nul. Ainsi, le vote nul n'a que deux origines. La maladresse de l'électeur conduisant, par exemple, ce dernier à introduire deux bulletins dans l'enveloppe, ou la volonté de ne pas se soumettre aux règles résistant le scrutin, en inscrivant, par exemple, des signes de reconnaissance, des injures, ou un suffrage qui n'est pas clairement exprimé, comme pour les scrutins de liste. Je ne parlerai pas des fraudes. Quelle que soit l'origine de ce vote nul, il est sain d'opérer une différence entre bulletin blanc et nul, à la condition que le vote blanc, par convention, soit considéré comme l'expression d'une opinion, ce qui traditionnellement est admis en France. Partant de ce postulat, il nous faut donc des éléments pour différencier le suffrage non exprimé, qui contient un message politique, du suffrage non exprimé qui relève de l'erreur ou de la volonté de ne pas se soumettre aux règles du scrutin. Pour réaliser cela, et même si la volonté de ne pas respecter les règles du scrutin peut, dans une certaine mesure, être assimilée à un message politique par commodité, il faut amettre une définition très large du vote nul et, par voie de conséquence, une définition restrictive du vote blanc ou, du moins, une définition qui ne puisse faire l'objet d'aucune ambiguïté. Nous avons vu que le vote blanc, qui doit faire l'objet d'une reconnaissance accrue, dans la mesure où il peut s'agir de l'expression d'une opinion, peut et doit se définir de manière très précise. Pour cette raison, il faut soutenir toute initiative qui viserait à clarifier et encadrer ce type de suffrage. Reste la question de l'intégration des votes blancs dans la comptabilité des suffrages exprimés. Ce texte ne la prévoit pas aujourd'hui et il faudrait sans doute prendre le temps de se confronter à toutes les questions que cela pose en particulier de modifications de la Constitution. L'article 7 précise en effet que le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le passage de la majorité absolue à la majorité relative a de nombreuses conséquences sur lesquelles il n'est pas question de s'attarder aujourd'hui. Mais il me semble qu'il s'agirait là d'un horizon intéressant. Nos institutions tiennent leur force de leur légitimité. Or la fiction de la majorité absolue commence à s'effriter. Et afin de la préserver, il faut sans doute l'ancrer plus clairement dans le réel. Accepter la loi de la majorité, c'est la base de notre démocratie. En revanche, ne pas comptabiliser ceux qui disent non, c'est prendre le risque de voir se développer une défiance sourde et dangereuse pour nos institutions. Mes chers collègues, nous devrions lire le vote blanc comme un thermomètre de la démocratie et non comme une vague fantaisie d'électeurs. La dernière élection présidentielle nous offre un exemple concret. Et sans doute, François Hollande aurait été invité à plus d'humilité devant la victoire si le calcul avait intégré le vote blanc, ramenant son score sans doute, et bien sûr, autour de 48%. Cette vérité des chiffres ne retirerait en rien la légitimité de son élection. Mais mesurer la nature de la majorité permettrait une forme de finesse dans l'exercice du pouvoir. Pour conclure, comme nous l'avons vu, la question de la reconnaissance et de la comptabilisation du vol blanc pose de très nombreuses questions techniques. Ce texte est sans doute une première étape pour avancer vers la reconnaissance de tous ceux qui, jusqu'à présent, sont un peu trop rapidement glissés sous le tapis. Mais le message important de cette proposition est en réalité le suivant. Il y a une différence entre l'électeur qui reste au lit le dimanche matin, et celui qui va faire la queue devant l'isoloir pour dire non. Nous ne pouvons pas rire d'un trait de plume ces Français qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur le message de détresse que ces électeurs nous envoient en refusant de donner sa voix aux candidats en lice. Nous ne pouvons tout simplement pas mépriver le choix de ces Français. C'est pourquoi, bien qu'il ne s'agisse là que d'un premier pas qui méritera sûrement des réflexions ultérieures, le groupe UMP votera ce texte. Je vous remercie. Merci, Monsieur Charon.